Coucou, salut tout le monde, c'est Anne-Irène. J'espère que vous allez tous bien par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, bien-aimés, nous continuons une fois de plus notre parcours sur la méditation de la parole de notre Dieu parce que, bien-aimés, ce que nous tentons de faire, c'est de préserver la vie éternelle que nous avons reçue par la grâce de notre Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et bien-aimés, comme je suppose vous l'avez déjà constaté, nous sommes toujours sur notre sujet d'étude qui a comme thème la différence entre les paroles prophétiques et des paroles de déclaration. Notre Dieu nous donne cette opportunité de pouvoir aussi comprendre sa parole, de pouvoir aussi être des personnes matures, des personnes aussi qui sont guidées par le Saint-Esprit. Et bien aimé, précédemment, nous nous sommes focalisés sur la nécessité pour tout chrétien de recevoir une compréhension précise des Saintes Écritures en fonction de l'évangile de Jésus-Christ selon la pensée de notre Dieu et aussi sous le guide de notre principal enseignant, à savoir le Saint-Esprit. Et rapidement, lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 14 du verset 26, il est écrit, Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et bien-aimés, c'est le rôle du Saint-Esprit pour pouvoir aussi nous permettre d'être des personnes qui marchons en fonction de la pensée de notre Dieu. Et bien-aimés, nous avions dit qu'il était très important pour tout enfant de Dieu d'être aussi en mesure de recevoir une compréhension précise en relation avec les Saintes Écritures. Cela pour nous permettre aussi de faire la différence entre ce qui est inspiré de Dieu et ce qui n'est pas inspiré de Dieu. Et nous avions vu quelques versets qui avaient été mentionnés dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'au verset 3, qui nous encourageaient en tant que chrétiens, en tant que des personnes qui nous considérons comme de nouvelles créatures, d'être aussi en mesure de pouvoir consommer la parole de notre Dieu, c'est-à-dire le lait spirituel, au travers de la méditation des Saintes Écritures sous le guide du Saint-Esprit, pour aussi acquérir une croissance spirituelle, pour être aussi en mesure d'atteindre la maturité spirituelle. Parce que, bien aimé, comme nous l'avions mentionné précédemment, c'est cette maturité spirituelle qui va nous permettre aussi d'avoir du discernement, qui va nous permettre aussi d'opérer selon la pensée de notre Dieu, d'appliquer la sagesse de notre Dieu, d'appliquer la justice de notre Dieu, d'être des personnes aussi qui ne jugeons pas en fonction de nos sentiments, de nos émotions, pardon, mais des personnes qui nous appuyons sur la pensée de notre Dieu guidée par le Saint-Esprit. Et bien aimé, nous avions pris pour exemple les versets qui avaient été mentionnés dans le livre de Actes par rapport à ce qui s'était passé entre Simon le magicien et Pierre. Simon le magicien qui opérait des actions extraordinaires, au point où la foule avait pensé que Simon le magicien tirait son inspiration de Dieu, que Simon le magicien était une personne qui manifestait la gloire de Dieu. Mais, bien-aimé, lorsque nous avions parlé de cette partie qui avait été tirée du livre de Actes au chapitre 8 à partir du verset 9 jusqu'au verset 10, nous avions mentionné que Simon le magicien était une personne qui manifestait des œuvres des ténèbres, était une personne qui ne tirait pas son inspiration du Saint-Esprit. Et malheureusement, la foule qui écoutait Simon le magicien, cette foule n'avait pas cette habileté, on va dire, n'avait pas l'esprit de discernement, de pouvoir comprendre aussi que Simon le magicien n'était pas inspiré du Saint-Esprit. C'était seulement Pierre qui avait été capable de comprendre que malgré les actions extraordinaires que Simon le magicien était capable d'opérer, son inspiration ne venait pas de Dieu. Et bien aimé, d'où la nécessité d'être des personnes aussi qui ne jugeons pas en fonction de l'apparence, en relation avec ce que l'œil spirituel, on va dire l'œil physique,
plutôt est capable de voir. Mais nous avions dit que nous devions plutôt être des personnes qui jugeons en fonction, on va dire, du support du Saint-Esprit. Des personnes aussi qui recherchons à pouvoir manifester la justice, la pensée de notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Et bien aimé, c'était à peu près ces informations que nous avions été capables de partager précédemment en relation avec les sections que nous avions visitées. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans ce même élan et nous allons tenter d'apporter d'autres informations en relation toujours avec notre sujet d'étude qui a comme titre « La différence entre les paroles prophétiques et les paroles de déclaration ». Et bien aimé, précédemment, j'avais parlé de la vie éternelle. J'avais mentionné qu'il était très important aussi pour tout enfant de Dieu d'arriver à un certain point de sa vie où nous essayons aussi de pouvoir comprendre pour nous-mêmes qu'est-ce que la vie éternelle représente, quelle est la définition de la vie éternelle, quelles sont les implications, en relation avec cette vie éternelle. Parce que la Bible nous démontre que Jésus-Christ s'est manifesté, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous apporter la vie éternelle. Mais en tant que fils et filles de Dieu, nous devons aussi être capables de pouvoir saisir cette révélation en relation avec la vie éternelle. Parce que lorsque nous serons capables de pouvoir comprendre, recevoir la définition en relation avec la vie éternelle, son implication, c'est ce qui va nous permettre d'être des personnes motivées. C'est ce qui va nous permettre d'être des personnes aussi qui allons maintenir cette vie éternelle. C'est ce qui va nous permettre aussi d'être des personnes qui allons attendre sagement la manifestation, le retour de Jésus-Christ. Et bien aimé, lorsque j'avais fini d'apporter des informations précédemment en relation avec les sections que nous avions vues. Je pense le samedi après cela, je me suis mis à ressasser un peu sur, on va dire, la parole que j'avais partagée. Et en relation avec la vie éternelle, j'avais dit que si nous n'avons pas cette opportunité de pouvoir comprendre, on va dire, l'implication de la vie éternelle, l'importance de la vie éternelle. Nous pouvons être des personnes qui, malheureusement, n'allons pas être capables de maintenir cette vie éternelle. Nous pouvons être des personnes qui, malheureusement, allons minimiser cette vie éternelle. Nous pouvons être des personnes qui, malheureusement, pouvons même être découragés, pouvons même être des personnes qui allons rechercher autre chose pour pouvoir remplacer cette vie éternelle. Et bien aimé, j'avais dit que c'est notre Dieu qui doit nous permettre aussi de recevoir la révélation. C'est notre Dieu, par le guide du Saint-Esprit, qui doit aussi nous permettre de pouvoir comprendre, c'est-à-dire nous devons arriver à un point où de nous-mêmes, nous sommes capables aussi de saisir l'implication, la définition de la vie éternelle. Qu'est-ce que cette vie éternelle est censée apporter, on va dire, dans notre vie? Qu'est-ce que cette vie éternelle est censée faire dans notre vie? Et bien aimé, lorsque j'étais en train de ressasser sur la parole que nous avions échangée précédemment et plus précisément en relation avec l'implication de la vie éternelle, la définition de la vie éternelle, j'ai commencé à me focaliser sur cette vie éternelle et je me suis vue poser une question à haute voix sans même me rendre compte. C'était comme si je demandais au Saint-Esprit de pouvoir me permettre de comprendre le concept de la vie éternelle, la nécessité pour toute personne de recevoir cette vie éternelle au travers de l'œuvre du Fils de Dieu. Et bien aimé, lorsque je me suis mis à méditer sur les Saintes Écritures et je me suis focalisée sur
qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Quelle est l'implication de la vie éternelle? Quelle est cette nécessité autour de cette vie éternelle? Bien-aimé, Dieu a voulu que je puisse saisir sa pensée en relation avec la définition de la vie éternelle, d'une manière simplifiée pour que mon intelligence, pour que notre intelligence humaine puisse être capable d'absorber, on va dire, les choses divines. C'est-à-dire, Dieu a voulu apporter une explication en relation avec le pourquoi, la nécessité, la définition de la vie éternelle, de la manière où, en tant que des personnes humaines, nous pouvons être capables de saisir sa pensée. Et lorsque rapidement nous allons dans le livre de Psaumes, au chapitre 119 du verset 27, il est écrit « Fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. » Et aussi dans le livre de Jérémie au chapitre 33 du verset 3, il est écrit « Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, de choses cachées que tu ne connais pas. » Eh bien, mais j'avais dit précédemment que lorsque nous allons dans la présence de Dieu, nous ne devons pas juste aller dans la présence de Dieu lorsque nous sommes confrontés à des situations ou lorsque nous voulons recevoir des choses de la chair ou lorsque nous voulons recevoir des miracles. Mais nous devons aussi être des personnes qui passons du temps dans notre Dieu, dans la présence pardon, de notre Dieu parce que nous l'aimons et des personnes aussi qui avons cette soif pour pouvoir recevoir un développement spirituel. Et bien aimé, c'est seulement par la grâce de notre Dieu que nous sommes capables de comprendre la nécessité de la vie éternelle, de comprendre, on va dire, qu'est-ce que c'est que l'évangile. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ s'est manifesté pour pouvoir aussi, on va dire, mourir à la croix pour le monde entier? En relation avec la sagesse de l'être humain, nous ne sommes pas en mesure de comprendre la grâce de notre Dieu. Et notre Dieu nous permet pour que nous puissions aussi, on va dire, nous soumettre à ses ordonnances, pour que nous puissions aussi être des personnes qui marchons en relation avec sa volonté. Notre Dieu, lorsque nous sommes des personnes qui le recherchons ardemment, sincèrement, notre Dieu est une personne aussi qui va vouloir nous permettre de comprendre sa pensée. Il va vouloir nous permettre aussi d'être des personnes éduquées d'une manière spirituelle. Et comme le verset dans le livre de Jérémie au chapitre 33 du verset 3 nous disait, invoque-moi, pardon, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est-à-dire lorsque aussi nous prenons du temps d'aller dans la présence de notre Dieu pour nous permettre aussi de comprendre certaines choses. Notre Dieu aussi va nous révéler ces choses. Notre Dieu aussi, par le guide du Saint-Esprit, va nous permettre aussi de comprendre ce qu'il essaye de nous faire savoir. Et comme je l'avais dit, j'étais en train de ressasser sur la parole que nous avions partagée, échangée, et je me suis focalisée sur quelle était l'implication de la vie éternelle. Et j'ai seulement dit cela à haute voix. Et le Saint-Esprit m'a permis aussi d'apporter des éléments en relation avec la définition de la vie éternelle, l'importance de la vie éternelle. Et nous allons partager cela aujourd'hui. Et bien aimé, au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous avons reçu cette opportunité d'entrer dans la présence de notre Dieu, d'aller vers lui en tant que des fils adoptifs. Car il est notre Père et au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, nous avons donc cette assurance que tout ce que nous allons demander par la foi, selon sa volonté, notre Dieu va nous donner ces choses. Et de ce fait, comme je l'ai mentionné, mon désir c'était de pouvoir aussi comprendre la pensée de Dieu en relation avec l'implication autour, on va dire, du terme de la vie éternelle.
Et Dieu m'a permis aussi de pouvoir comprendre cela d'une manière approfondie. Et bien aimé, la Bible nous démontre que Jésus-Christ est un personnage divin, le Fils de Dieu Tout-Puissant, qui a pris la forme d'une chair dans le but de pouvoir résider, pardon, parmi ses créatures, parmi les hommes. Et lorsque nous avons l'opportunité rapidement d'aller dans le livre de Jean, au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, il est écrit: Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et bien aimé, en fonction de ces versets, nous sommes capables ici de comprendre que Jésus-Christ, qui est aussi considéré comme la parole de Dieu, Jésus-Christ est cette personne divine qui était au commencement avec Dieu. Et Dieu, au travers de Jésus-Christ, ou si vous voulez, au travers de sa parole, a été capable de former toutes les choses visibles et invisibles. Et de ce fait, bien-aimé, lorsque l'être humain avait été sous le joug de la mort à cause de l'introduction du péché, la personne qui pouvait être capable de pouvoir sauver cet être humain, cette personne n'était pas, on va dire, une autre que Jésus-Christ. C'est-à-dire, il fallait que cela soit Jésus-Christ. Parce que tout a été créé au travers de Jésus-Christ. Tout a été créé à partir de Jésus-Christ. Tout a été créé pour lui. Et sans lui, rien de ce que nous sommes capables de voir et rien de ce qui est invisible pouvait être créé. Et de ce fait, pour que l'être humain puisse être capable d'être réconcilié avec son Créateur, il fallait que ce Créateur puisse envoyer de nouveau sa parole, c'est-à-dire son Fils, pour que son Fils aussi puisse manifester sa volonté à la croix, pour apporter la délivrance à toutes ces personnes qui allaient recevoir, on va dire, l'évangile au travers de la foi. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses parce que je suis en train d'apporter des éléments en relation avec, on va dire, le domaine de la vie éternelle. Quel est l'impact de la vie éternelle? Pourquoi est-ce que cette vie éternelle a été manifestée à l'être humain? Et bien aimé, dans le livre de Matthieu au chapitre 1er du verset 23, il est écrit: Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et bien-aimé, cela est en relation avec le plan de notre Dieu d'apporter le salut, d'apporter le pardon, de pouvoir permettre à ce que, malgré le péché de l'être humain, malgré ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, l'être humain puisse être capable d'être réconcilié de nouveau avec son Dieu. Et cela devait être au travers de la parole de son Créateur. Cette parole qui est aussi Jésus-Christ, cette parole qui est venu sur cette terre sous la forme de la chair. Et cette parole aussi qui a comme nom Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et bien aimé, pour nous permettre à peu près de pouvoir comprendre, on va dire, le phénomène de la vie éternelle. Parce que, comme je l'avais mentionné précédemment, nous avons été sauvés pas pour que nous puissions être des personnes qui
résidant dans les choses charnelles. Mais nous avons été sauvés pour que nous puissions être des personnes aussi qui nous préparons. Et Jésus-Christ s'est manifesté, pardon, Jésus-Christ, pour que nous puissions aussi recevoir la vie éternelle. Et nous devons comprendre, on va dire, quelle est cette vie éternelle. Nous devons recevoir la définition en relation avec la vie éternelle, l'influence de cette vie éternelle. Et bien aimé, lorsque nous sommes conscients en relation avec ces choses qui sont autour de la vie éternelle, c'est ce qui va nous permettre de maintenir notre vie chrétienne. C'est ce qui va nous permettre d'être des personnes aussi qui résident dans l'endurance. C'est ce qui va nous permettre aussi d'être des personnes aussi qui restent fidèles à notre Dieu. C'est ce qui va nous permettre aussi d'être des personnes qui résistent à toute attaque de l'ennemi. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et lorsque le Saint-Esprit m'avait permis aussi de comprendre ces genres de choses, il a attiré mon attention sur l'usage des paraboles que Jésus-Christ utilisait durant ses enseignements. Et bien aimé, Jésus-Christ utilisait les paraboles pour deux raisons. Et nous devons comprendre que les paraboles avaient été utilisées par Jésus-Christ, premièrement pour permettre à ce que les gens jugés comme les personnes du dehors ne puissent pas être capables de comprendre la parole de vie. C'est-à-dire, les paraboles étaient des codes qui pouvaient seulement être décodés par les personnes qui étaient jugées comme des enfants du royaume. Jésus-Christ annonçait la parole de vie et Jésus-Christ avait voulu donner l'opportunité aux personnes que Dieu a connues avant la fondation du monde, pour que ces personnes aussi puissent être capables de comprendre, on va dire, cette vie éternelle, de pouvoir aussi saisir la pensée de leur Dieu. Et Jésus-Christ annonçait les paroles de vie, annonçait l'évangile, et il utilisait les paraboles pour que les personnes du dehors ne puissent pas être capables de saisir la pensée de Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre cela. Lorsque tu as cette opportunité de pouvoir comprendre la parole de Dieu, lorsque tu es cette personne qui est sensible à la parole de Dieu, lorsque tu es cette personne qui a reçu Jésus-Christ dans ta vie, tu dois comprendre que c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a permis à ce que tu puisses être capable d'être attiré par sa parole au travers de l'évangile. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui veulent comprendre la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui veulent être sauvées. Mais malheureusement, ces personnes ne sont pas capables de saisir la pensée de Dieu. Ces personnes ne sont pas capables de saisir le don de Dieu. Pourquoi? Parce que les enseignements de Jésus-Christ avaient été codés, étaient sous la forme des paraboles. Et bien aimé, lorsque nous allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 7 du verset 6, il est écrit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Et aussi, toujours dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, il est écrit « Les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que
Cela ne leur a pas été donné. Et bien aimé, cela est en relation avec l'usage des paraboles. L'usage des paraboles avait été utilisé au travers des enseignements de Jésus-Christ pour pouvoir aussi donner l'opportunité à ces personnes qui sont considérées comme les élus, ces personnes aussi qui sont censées connaître les choses, les mystères du royaume des cieux, pour que ces personnes puissent saisir la pensée de Dieu, pour que ces personnes puissent recevoir la délivrance, pour que ces personnes aussi puissent recevoir la vie éternelle. Et bien aimé, comme je l'ai mentionné, le fait que nous nous considérons comme des fils et les filles de Dieu, des chrétiens, des chrétiennes, cela vient par la grâce de notre Dieu. Et nous devons être des personnes aussi qui manifestent notre reconnaissance, on va dire, à l'égard de notre Dieu. Parce que plusieurs personnes veulent recevoir la vie éternelle. Plusieurs personnes veulent être sauvées. Plusieurs personnes veulent aussi avoir, on va dire, quelque chose de plus excellent, même malheureusement à cause de l'ombre des ténèbres, à cause de l'influence de l'ennemi, ces personnes ne sont pas capables aussi de pouvoir saisir la pensée de Dieu. Et bien aimé, c'est par sa grâce que nous sommes capables de comprendre sa pensée. Et bien aimé, l'usage des paraboles, comme je l'ai mentionné, était pour permettre à ce que les personnes qui sont considérées comme, on va dire, les gens du dehors, pour que ces personnes ne puissent pas accéder aux paroles de vie. Mais aussi, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que Jésus-Christ utilisait les paraboles pour pouvoir simplifier la compréhension des choses divines aux élus, aux personnes qui allaient être sensibles à l'écoute de la parole de Dieu. Jésus-Christ, toutefois qu'il enseignait au travers des paraboles, posait des questions pour essayer de déterminer si les personnes qui l'écoutaient avaient compris son enseignement. Et Jésus-Christ prenait aussi la peine de pouvoir apporter des explications approfondies en relation avec ces paraboles. Mais Jésus-Christ le faisait seulement avec les disciples. Parce que les disciples étaient les personnes que Jésus-Christ avait choisies. Les disciples étaient les personnes qui avaient reçu la grâce de Dieu. Les disciples étaient les personnes qui étaient avec la parole de vie, c'est-à-dire avec Jésus-Christ. Et c'était par la grâce de Dieu que ses disciples aussi avaient été capables de comprendre les paroles, les mystères du royaume de Dieu. Et bien aimé, premièrement, l'usage des paraboles est pour pouvoir coder les paroles de vie, pour pouvoir permettre seulement à ce que les personnes qui sont considérées comme les enfants du royaume, pour que ces personnes puissent saisir la pensée de Dieu. Mais aussi, Jésus-Christ utilisait les paroles pour pouvoir simplifier les choses divines, pour pouvoir permettre à ce que les élus, les personnes qui allaient recevoir cette parole, pour que ces personnes aussi puissent être capables de comprendre sa pensée, bien-aimée. Comme je l'avais mentionné, notre Dieu, en relation avec sa sagesse, nous ne pouvons pas, on va dire, être capables de comprendre globalement notre Dieu. Notre Dieu nous permet simplement de saisir ce qu'il veut que nous puissions être capables de saisir. Notre Dieu nous permet aussi de comprendre certaines choses en fonction de notre faculté, en relation avec notre intelligence, pour que nous puissions aussi, on va dire, saisir sa pensée, pour que nous puissions aussi comprendre ce qu'il est en train de nous dire. Et c'était la même chose durant le temps de Jésus-Christ. Jésus-Christ, durant ses enseignements, utilisait les paraboles
pour pouvoir aussi permettre aux élus de comprendre les mystères du royaume des cieux, mais aussi pour simplifier, on va dire, les paroles de vie, les paroles divines, pour permettre aussi à ce que l'être humain puisse comprendre cela en fonction de son niveau, en relation avec, on va dire, ses facultés. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, en tant que fils et filles de Dieu, notre Dieu nous a permis de recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions être capables aussi de comprendre les paraboles de Jésus-Christ, pour que nous puissions aussi être capables de comprendre les saintes écritures. Lorsque nous allons dans le livre de Jean au chapitre 14 du verset 26, il est écrit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Et bien aimé, cela est le rôle du Saint-Esprit. Lorsque nous sommes des personnes aussi qui allons dans la présence de notre Dieu, lorsque nous sommes des personnes aussi qui recherchons ardemment à comprendre les saintes écritures, lorsque nous sommes des personnes aussi qui sont déterminées, le Saint-Esprit, en fonction de la volonté de notre Dieu, nous permet aussi de comprendre la pensée de notre Dieu, nous permet aussi de recevoir des révélations en relation avec, on va dire, l'importance de la vie éternelle, en relation avec aussi l'introduction de l'évangile au monde entier. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Par exemple, Jésus-Christ avait dit dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, du verset 44, « Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. » Et bien aimé, c'était une des paraboles que Jésus-Christ avait apportées en relation avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux qui est minimisé par plusieurs personnes. Le royaume des cieux qui est, on va dire, qui n'a pas d'importance pour malheureusement ces personnes qui ne sont pas capables de comprendre que la vie éternelle est en relation avec la grâce de Dieu. Lorsque les personnes qui sont considérées comme, on va dire, les enfants du royaume, les personnes qui sont considérées comme les élus, lorsque nous avons cette compréhension précise en relation avec la vie éternelle, cela nous permet aussi d'avoir une disposition qui est différente. Cela nous permet aussi de pouvoir nous focaliser sur les choses qui sont nécessaires. Cela nous permet aussi de comprendre que la vie que nous avons sur cette terre, cette vie va passer. Et de ce fait, nous devons nous préparer pour notre vie que nous allons avoir après. Nous devons être des personnes aussi qui recherchons à pouvoir, on va dire, être dans le chemin qui va nous permettre, on va dire, de résider avec Jésus-Christ éternellement. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Jésus-Christ aussi avait dit dans le livre de Matthieu, toujours, au chapitre 13 du verset 31, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. Et bien aimé, tout cela est en relation avec les paraboles que Jésus-Christ avait apportées. Premièrement, ces paraboles étaient codées, mais aussi ces paraboles apportaient les paroles de vie d'une manière simplifiée pour que l'être humain puisse être capable aussi de comprendre, parce que nous savons que nous sommes familiers avec un champ, nous sommes familiers avec tout ce qui est terrestre. Et de ce fait, Jésus-Christ, pour permettre à ce que les personnes qui sont considérées comme les élus,
pour que ces personnes puissent saisir la pensée de Dieu. Il utilisait les choses que ces personnes étaient familières avec pour que, on va dire, la compréhension de l'évangile puisse être, on va dire, abordable pour que ces personnes aussi puissent saisir la pensée de Dieu. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ce genre de choses. Les paraboles mentionnées dans la Bible nous permettent de tester notre niveau de connaissance, nous permettent aussi de nous rapprocher davantage de notre Dieu, parce que nous sommes en mesure de comprendre que nous ne savons rien. Nous sommes en mesure de comprendre nos limitations. Nous sommes en mesure de comprendre que nous avons besoin du don du Saint-Esprit, du guide du Saint-Esprit pour pouvoir comprendre la pensée de notre Dieu. Parce que, comme je l'ai mentionné, les paroles de l'Évangile sont en relation avec le mystère du royaume. Et c'est seulement par la grâce de notre Dieu. C'est en fonction de la volonté de notre Dieu que toute personne qui est exposée à cette parole est capable de saisir cela. Et bien aimé, c'est au travers des prières, au travers des méditations, en relation aussi avec notre dévotion. C'est ce qui permet à ce que notre Dieu aussi nous permet de comprendre sa pensée au travers des paroles, des paraboles pardon, que Jésus-Christ avait apportées aux personnes qui l'écoutaient durant ses enseignements. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et comme je l'avais dit, précédemment, nous avions parlé de la nécessité de comprendre les saintes écritures, les paroles de notre Dieu d'une manière précise, en fonction de sa pensée. Non en relation avec nos pensées, nos émotions, ce que nous pensons être ce que Dieu a dit, mais en relation avec ce que Dieu a dit, en relation avec le guide du Saint-Esprit. C'est ce qui va faire la différence, c'est ce qui va nous permettre d'être des personnes aussi qui résident dans le chemin de la vérité, dans le chemin de la lumière. Et bien aimé, Dieu m'a permis d'apporter des informations simplifiées en relation avec la vie éternelle. Et bien aimé, lorsque j'étais en train de ressasser sur, on va dire, les paroles que j'avais apportées précédemment, et j'ai commencé à me focaliser sur la vie éternelle. Et je me suis dit, c'est quoi la vie éternelle? Quelle est l'implication de la vie éternelle? Pourquoi est-ce que tout chrétien a besoin de recevoir la vie éternelle? Quelle est la vie éternelle? Pourquoi nous avons besoin de maintenir cette vie éternelle? Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Et lorsque j'ai commencé à me poser tous ces genres de questions, c'est-à-dire, je pensais que je me posais ces questions, mais c'était comme si je posais ces questions au Saint-Esprit. Et tout à coup, le Saint-Esprit m'a permis de recevoir une compréhension simplifiée en relation avec qu'est-ce que c'est que la vie éternelle. Et bien aimé, cela pour nous permettre aussi de pouvoir développer notre état spirituel. Et bien aimé, le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que la vie éternelle est semblable à l'assurance vie. Cela peut être banal, mais cela pour nous permettre aussi de pouvoir comprendre les choses divines en relation avec, on va dire, notre intelligence, en fonction de notre, nos facultés, pour nous permettre aussi de saisir la pensée de notre Dieu. Et le Saint-Esprit m'a dit, ok, la vie éternelle est semblable à l'assurance vie. Et il a, on va dire, essayé de m'expliquer cela. Et je vais partager cela avec vous, bien-aimés. Donc, la Bible nous parle d'une personne, d'un riche, qui un jour s'était mis à planifier son avenir. Et ce riche avait
commençaient à penser à comment est-ce qu'il pouvait être capable de se réjouir de sa grande richesse. La Bible nous parle d'une personne qui avait plein d'argent, une personne qui avait une vie aisée, une personne qui ne manquait de rien, une personne qui était dotée d'un grand statut. Et cette personne, avec toute sa richesse, avec tout ce qu'il avait, la Bible nous montre que cette personne s'était assise et, comme tout être humain, avait commencé à penser à son futur. Il avait essayé de planifier son avenir et il avait essayé de mettre en place un plan, ce qu'il allait être capable d'accomplir, hein, ce qu'il allait être capable de faire avec cette grande richesse. Et cela est mentionné dans le livre de Luc au chapitre 12, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Il est écrit, et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai, comme il a dit, de plus grands, j'amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et bien-aimé, c'est ce que cette personne qui était riche avait planifié en relation avec sa richesse. Comment est-ce qu'il allait être capable aussi de pouvoir s'occuper de cette grande richesse? Cette personne qui, après une grande récolte, s'était rendue compte que ses greniers étaient trop petits pour pouvoir accueillir cette récolte. Et de ce fait, il avait envisagé de pouvoir détruire ses greniers et en construire, on va dire, d'autres qui étaient plus grands pour pouvoir mettre toute cette récolte. Et bien aimé, quelque chose s'est passé en relation avec la planification de cet homme. Lorsque nous allons dans le verset 19 jusqu'au verset 20, il est écrit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Bien-aimé, après la planification que cet homme avait fait, ce qu'il envisageait faire, il s'est mis à ressasser sur, ou si vous voulez, penser à comment est-ce qu'il allait être capable de se reposer, comment est-ce qu'il allait être capable, après hein, la construction de ses greniers, de pouvoir se reposer de tout, hein, on va dire, son travail, le fruit de son travail. Et cette personne avait mis en place un plan. Et c'était son plan en relation avec sa pensée. Mais la Bible nous dit au verset 20, il est écrit, mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Eh bien aimé, ce verset est en relation avec le fait que notre vie ne nous appartient pas. Notre vie, nous pouvons planifier, nous pouvons être des personnes qui hein, planifient en relation avec notre futur. Mais ce qui est du sort de notre âme, c'est notre Dieu qui a le dernier mot.
Et lorsque cette personne avait envisagé tout ce qu'il voulait accomplir dans le futur, il n'avait pas tenu compte du fait que son âme ne lui appartenait pas. Il n'avait pas tenu compte du fait que, à tout moment, comme tout être humain, il pouvait aussi être une personne qui allait quitter cette terre. Et bien aimé, Dieu, au travers du Saint-Esprit, a voulu que je puisse me focaliser sur cette histoire de cet homme riche pour pouvoir aussi parler de la vie éternelle qui est semblable à l'assurance vie. Et bien aimé, la vie éternelle, comme je l'ai mentionné, pour simplifier cela, est semblable à l'assurance vie que nous payons pour pouvoir assurer notre sécurité future. La sécurité des membres de nos familles, parce que nous avons conscience, nous sommes conscients en relation avec notre avenir. Nous ne voulons pas que quelque chose de mauvais puisse se passer. Et de ce fait, nous nous assurons de planifier notre futur. Et pour tout être humain, une personne qui travaille, une personne qui a une famille, une personne qui a des projets, nous avons cette habitude de penser à notre futur. Nous avons cette habitude aussi à vouloir sécuriser notre propriété, tout ce qui nous appartient, pour que si quelque chose se passait dans le futur, on va dire, cela ne va pas influencer totalement nos plans, parce que l'assurance vie va nous permettre, on va dire, d'être des personnes en sécurité. L'assurance vie va nous dédommager. L'assurance vie va nous permettre d'être des personnes malgré ce qui va se passer dans le futur, parce que nous avons planifié, nous serons capables aussi d'être des personnes qui seront dans, on va dire, dans un état positif. Et bien aimé, lorsque nous allons dans le livre de Deutéronome, au chapitre 29 du verset 29, il est écrit: les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les choses de cette loi. Et bien aimé, ce verset est en relation avec les choses que notre Dieu nous permet de comprendre. Notre Dieu nous permet de savoir. Notre Dieu nous permet, on va dire, de saisir. Pour que nous puissions aussi être des personnes qui marchons en fonction de sa pensée. Cependant, il y a d'autres choses que Dieu ne nous révèle pas. Et pour ces choses, nous devons être des personnes qui ne nous fions pas à nous-mêmes, mais des personnes qui, d'une manière constante, nous fions à notre Dieu. Nous, pour que nous puissions être des personnes qui sont capables aussi, en fonction de nos planifications, de reconnaître que le plan de Dieu est supérieur, est au-dessus de notre plan, de reconnaître nos limitations. Et de ce fait, lorsque nous faisons nos planifications, nous ne devons pas planifier hors de Dieu. Nous devons planifier avec Dieu. Nous devons planifier en fonction de la pensée de notre Dieu. Et bien aimé, il est très important de comprendre ces genres de choses. Le Saint-Esprit m'a permis de comprendre que l'être humain, nous sommes capables d'avoir une assurance, l'assurance vie. Nous sommes capables d'aller vers une compagnie d'assurance et nous assurons nous-mêmes ou nous assurons nos maisons, nos propriétés. Nous faisons tout cela pour que dans le futur, nous puissions être des personnes qui sont en sécurité. Et bien aimé, le Saint-Esprit était en train de me montrer que
l'assurance que nous avons auprès des compagnies d'assurance. C'est de la même manière aussi que la vie éternelle est un autre type d'assurance. Mais ce type d'assurance est au-dessus de l'assurance terrestre que nous avons ici. La vie éternelle, c'est l'assurance après la vie. La vie éternelle, c'est le droit d'assurance que nous recevons lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies. La vie éternelle, c'est l'assurance après la vie qui nous permet d'être des personnes qui nous ne nous inquiétons pas. Nous sommes des personnes, quel que soit l'avenir, nous savons qu'à cause de l'assurance après la vie que nous avons reçue au travers du sang de Jésus-Christ, à cause de l'assurance après la vie qui est la vie éternelle, nous sommes des personnes qui pouvons dormir en sécurité dans toute quiétude. Parce que quel que soit ce qui va se passer dans le futur, nous avons déjà été capables de nous assurer. Et de la même manière aussi, bien aimé, nous sommes capables d'être en sécurité. Nous sommes capables aussi d'être des personnes qui avons un état positif lorsque nous avons payé notre assurance, lorsque nous assurons notre voiture, lorsque nous assurons notre maison, lorsque nous assurons notre propriété. Parce que nous nous disons, au cas où il y a un pépin, cette compagnie d'assurance sera capable aussi de nous dédommager. Et bien aimé, nous devons comprendre de la même manière que nous appliquons notre sagesse pour pouvoir aussi rechercher la sécurité terrestre. C'est de la même manière aussi que Jésus-Christ, au travers de la vie éternelle, est venu nous apporter une assurance. Mais ce type d'assurance, c'est l'assurance après la vie. Ce type d'assurance, c'est une assurance excellente. Ce type d'assurance nous permet, quel que soit ce qui va se passer dans le futur, d'être des personnes qui seront assurées éternellement. Tandis que l'assurance que nous avons sur cette terre, c'est une assurance limitée. Tandis que l'assurance que nous avons auprès des compagnies d'assurance, c'est une assurance qui ne fonctionne plus, on va dire, ne nous couvre plus après la mort. Mais l'assurance que nous recevons au travers du sang de Jésus-Christ, la vie éternelle, c'est une assurance excellente. Et il est très important pour tout enfant de Dieu de pouvoir comprendre cela. Il est très important pour tout enfant de Dieu d'être capable aussi de saisir que la vie éternelle, c'est l'assurance après la vie. La vie éternelle, c'est le droit d'assurance que nous recevons gratuitement au travers du sang de Jésus-Christ qui nous permet, quel que soit, on va dire, ce qui va se passer dans le futur, d'être des personnes aussi qui sont assurées, des personnes sécurisées. Et de ce fait, nous devons être capables de pouvoir prendre cette vie éternelle en considération. Nous devons aussi être capables de pouvoir regarder ce type d'assurance, on va dire, ne pas minimiser ce type d'assurance, parce que ce type d'assurance, c'est ce qui va nous permettre aussi de sécuriser notre ticket pour accéder au royaume des cieux. Et bien aimé, il est très important de comprendre ce genre de choses. Lorsque nous allons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, du verset 5, il est écrit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Et bien aimé, lorsque nous allons aussi dans le livre de Luc au chapitre 10 du verset 20, il est écrit, « Cependant, ne vous réjouissez pas que de ce que, pardon, les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous
de ce que vos noms sont écrits, sont inscrits dans les cieux. Et bien aimé, lorsque nous sommes des personnes qui acceptons Jésus-Christ en tant que notre Seigneur, en tant que notre Sauveur, automatiquement nous avons accès à ce type d'assurance que le Saint-Esprit m'a permis aussi de comprendre que c'est l'assurance après la vie. L'assurance que nous avons sur cette terre, c'est l'assurance vie. L'assurance que nous avons sur cette terre, l'assurance pour pouvoir s'occuper de toutes nos choses, on va dire, matérielles. Mais ce type d'assurance-là est limité. Tandis que l'assurance que Jésus-Christ nous a apportée au travers de son sang, cette assurance est élevée, cette assurance est excellente. Et c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir avoir nos noms inscrits dans les cieux. Et bien aimé, la Bible nous montre que celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Et bien aimé, cela suppose que si on dit je n'effacerai point son nom du livre de vie, cela suppose aussi que notre nom peut être effacé. Et c'est à nous d'être des personnes aussi qui sont capables de pouvoir saisir cette assurance après la vie. C'est à nous aussi d'être capables de pouvoir comprendre cette assurance après la vie. C'est à nous aussi de pouvoir être capables de pouvoir, on va dire, maintenir, de nous occuper, on va dire, proprement de cette assurance après la vie qui est semblable à la vie éternelle. Et bien aimé, il est très important de pouvoir comprendre ces genres de choses. Nous sommes capables de, on va dire, prêter attention aux lettres d'assurance que nous recevons, que ce soit par la poste ou par l'email. S'il y a un changement en relation avec le terme du contrat de notre assurance, à savoir l'assurance pour la voiture ou l'assurance pour la maison ou l'assurance pour toutes ces choses, nos propriétés. Nous avons cette habitude de pouvoir prêter attention à ces lettres. Nous allons même contacter la compagnie d'assurance. Nous allons même aborder le terme du contrat de notre assurance. Nous allons même rechercher à pouvoir élever le niveau de notre assurance pour pouvoir aussi recevoir une qualité excellente du service de la compagnie d'assurance. Et nous faisons tout cela parce que nous voulons que notre futur soit sécurisé. Nous voulons être des personnes qui, en cas d'un pépin, nous allons être capables d'être dédommagés. Mais malheureusement, bien aimé, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous n'appliquons pas, on va dire, ces mêmes termes en relation avec la vie éternelle. Nous minimisons cette vie éternelle. Nous sommes capables de payer pour notre assurance sur cette terre. Et même lorsque nous recevons les lettres pour nous rappeler que nous n'avons pas payé nos factures d'assurance, nous allons contacter aussitôt ces compagnies d'assurance et nous allons régulariser notre statut. Et bien aimé, nous faisons tout cela pour nous assurer à ce que ces compagnies d'assurance puissent nous protéger en cas d'un pépin, pour que ces compagnies d'assurance puissent aussi appliquer, on va dire, les termes du contrat que nous avons eu avec elles. Et bien aimé, nous faisons tout cela pour les choses superficielles. Nous faisons tout cela pour les choses qui sont sur cette terre. Et malheureusement, lorsqu'il s'agit de l'assurance après la vie, qui est la vie éternelle, l'assurance excellente, parce que cette assurance est gratuite, parce que cette assurance
n'est pas comme l'assurance charnelle. Nous ne nous occupons pas de cette assurance. Nous minimisons cette assurance. Nous pensons que cette assurance n'est pas importante. Nous pensons que l'assurance que nous avons sur cette terre est plus importante, plus excellente que la vie éternelle. Mais bien aimé, nous devons comprendre comme l'histoire de cet homme riche qui ne savait pas ce qu'il attendait dans le futur. Il avait tout planifié, il avait tout assuré, mais il ne savait pas que sa vie ne lui appartenait pas. Et quand c'était le moment, Dieu est venu lui dire que tu ne sais même pas que ce soit, je vais demander ton âme. Et bien aimé, nous devons nous poser des questions en relation avec notre vie spirituelle. Est-ce que nous sommes des personnes d'une manière consciente qui, sincèrement, pouvons dire à notre Dieu que en tout temps, nous sommes des personnes qui allons résider avec lui au paradis. Nous sommes des personnes qui allons être qualifiées parce que dans le livre d'Apocalypse, Jésus-Christ avait dit qu'il n'allait pas effacer le nom de ces personnes qui allaient, on va dire, montrer leur courage. Les personnes aussi qui allaient être capables de résister. Les personnes aussi qui n'allaient pas s'attacher aux choses du monde. Et bien aimé, lorsqu'on dit « je n'effacerai pas ton nom », cela sous-entend aussi que « je peux effacer ton nom ». Et bien aimé, nous devons être des personnes aussi qui pensons à ces genres de choses. Nous devons aussi être des personnes qui essayons de comprendre quel est l'impact de l'évangile dans notre vie. Nous devons aussi être des personnes qui essayons d'évaluer notre vie spirituelle en relation avec la vie éternelle que nous avons reçue. Parce que cette vie éternelle, bien aimée, c'est notre assurance après la vie. Parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous pouvons être au contrôle de nos vies. Nous pouvons penser que nous sommes au contrôle de nos vies. Nous pouvons penser que nous sommes de grands planificateurs. Mais bien aimé, notre Dieu a un plan plus excellent. Nous devons être des personnes aussi qui essayons de planifier, non en relation avec nos désirs, mais en fonction de la pensée de notre Dieu. Des personnes qui ne planifient, nous ne faisons pas des planifications, pardon, hors sujet. Des planifications qui sont limitées, des planifications qui se focalisent seulement sur les choses charnelles. Et ce qui est important, nous ne prenons pas du temps pour planifier cela. Et bien aimé, les mêmes lettres que nous recevons par les compagnies d'assurance qui nous indique que nous n'avons pas, par exemple, à payer nos factures, ou qui nous indique qu'il y a différents, il y a un changement en relation avec le terme de notre contrat. C'est de la même manière aussi que notre Dieu, au travers du Saint-Esprit, au travers de sa parole, attire notre attention, nous apporte des lettres pour nous parler de la vie éternelle, pour nous dire que nous devons être des personnes qui nous focalisons sur cette vie éternelle, pour nous parler aussi des termes du contrat de la vie éternelle, pour ces personnes qui toujours veulent maintenir cette vie éternelle. Et bien aimé, nous ne devons pas négliger cette vie éternelle, nous ne devons pas ignorer les lettres de notre Dieu. Ce n'est pas parce que ces lettres ne viennent pas de la même manière que nous avons les lettres d'assurance. Cela sous-entend que notre Dieu ne nous parle pas. Notre Dieu nous parle au travers du Saint-Esprit. Notre Dieu nous parle au travers des enseignements. Notre Dieu nous parle au travers des conseils. Notre Dieu nous parle au travers des révélations. Notre Dieu nous parle au travers des rêves. Et bien aimé, cela pour attirer notre attention en relation avec l'assurance après la vie que nous avons reçu au travers du sang de son Fils. Et bien aimé, il est très important en tant que fils et fille de Dieu de pouvoir comprendre ces genres de choses. Et bien aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Nous avons eu l'opportunité par la grâce de notre Dieu d'apporter des éléments approfondis en relation avec l'implication de la vie éternelle. Et bien aimé, cela n'était pas planifié dans notre étude qui a comme titre la différence entre les paroles de déclaration
et les paroles prophétiques main. La dernière fois, lorsque nous avions parlé de la nécessité de la compréhension précise, on va dire, de la parole de notre Dieu des Saintes Écritures, le Saint-Esprit a voulu aussi que je puisse comprendre, pour que nous puissions comprendre l'importance de la vie éternelle qui se rattache à l'Évangile, la vie éternelle qui est la finalité pour tout enfant de Dieu. Et bien aimé, j'espère que tu as reçu ces informations et j'espère que ces informations ont apporté quelque chose de positif dans ta vie spirituelle. Nous remercions notre Dieu pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir aussi comprendre sa parole. Nous nous rabaissons dans sa présence. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être élevé. Il n'y a rien que nous puissions faire qui est égal à la grâce de notre Dieu. Nous le remercions pour tout ce qu'il fait pour nous. Et nous remercions aussi Jésus-Christ à cause de son sang. Nous sommes considérés comme de nouvelles créatures. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos maisons. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ sur le corps du Christ. Nous appliquons le sang de Jésus-Christ dans nos familles, nos amis. Et bien-aimés, nous élevons aussi le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre la pensée de notre Dieu, le Saint-Esprit qui ne nous dirige pas en fonction de nos idées, mais plutôt en relation avec la pensée de notre Dieu. Et bien-aimés, je te souhaite une excellente nuit, que Dieu te bénisse. Amen.